Chers confrères, puisqu'il y en a au moins un dans la salle, mesdames, messieurs, merci d'être venus. Comme il est écrit, je m'appelle Henri-Paul Francfort et je suis archéologue. Je travaille en Asie centrale depuis 50 ans, même un peu plus. Aujourd'hui, je vais vous présenter les rapports entre le monde des steppes et le monde des oasis, sur lequel je vais m'expliquer tout de suite, au cours des périodes qui précèdent la route de la soie. Je commence par une petite partie lue. L'Eurasie, dont le cœur est l'Asie centrale, est un système ouvert, et dès les très hautes époques, au paléolithique même, les groupes humains, les techniques, les idées ont circulé de l'Europe à l'Asie jusqu'à l'Extrême-Orient, et inversement. Mon propos d'aujourd'hui n'est certainement pas de retracer toute cette longue histoire, ni de vous donner une fois de plus la route de la soie, dont les historiens font remonter les origines au 1er siècle de notre ère. D'excellentes publications font parfaitement le point et elles sont aisément accessibles. Je vous présente simplement un panorama de cette histoire, commençant bien avant l'arrivée des Grecs d'Alexandre le Grand, dont il est parfois, un peu rapidement, admis par quelques historiens qu'il a permis d'ouvrir l'Eurasie aux échanges à longue distance du monde méditerranéen à la Chine. Ainsi, en adoptant une démarche rétrospective qui remonte le temps et prenant appui sur les résultats de fouilles et d'études récentes, je vais vous montrer comment, dès les époques de l'âge du fer et de l'âge du bronze, de vastes, très vastes réseaux d'échanges ont été mis en place à très longue distance, tant dans le domaine des steppes que dans celui des oasis. Les premières, les steppes, se trouvent au long du 40e parallèle. Elles sont caractérisées par d'immenses étendues d'herbage et dans les montagnes par des régions de forêts d'alpage. C'est un domaine qui a connu la mise en place d'un mode de vie absolument unique au monde, celui du nomadisme pastoral monté, de populations d'éleveurs cavaliers, mais aussi chasseurs et guerriers très efficaces. La domestication du cheval et son attelage, vers 2000-1800 avant Jésus-Christ, puis l'équitation à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, tout comme des modes de combat, à l'arc notamment, ont fait de ces populations, que j'appellerai ici de manière générique les Scythes, et pour de très nombreux siècles, les maîtres de la steppe et la terreur du monde des oasis. Ce monde des oasis, de son côté, est situé au sud du premier. Il s'agit du domaine des agriculteurs sédentaires, vivant dans des agglomérations, des villages, des bourgades ou des villes, et prenant soin de récoltes céréalières ainsi que de leur bétail. La base du développement de la production agricole des oasis est l'agriculture irriguée, formant de grands réseaux de canaux et de champs. Tout cela suppose une forte organisation sociale, bien structurée, fréquemment considérée comme étant à l'origine du développement des formes étatiques les plus anciennes à partir du 4e millénaire dans le croissant fertile, entre la Mésopotamie et l'Égypte. Comme on le sait, l'écriture, l'administration, l'art, l'architecture monumentale sont constitutifs de ces sociétés urbaines hiérarchisées, malgré de grandes différences, comme par exemple entre la Mésopotamie et l'Indus, et, nous le verrons évidemment, l'Asie centrale. Je n'entre pas dans le détail ici, qui demanderait beaucoup de nuances, mais me limite à rappeler que la complémentarité, tout comme l'antagonisme de ces deux mondes, sont parfois considérés comme un élément structurant de l'histoire de l'Eurasie. Pour le dire simplement, les populations des steppes, des éleveurs nomades, abattent les empires, mais s'empressent de les reconstruire à leur compte, en attendant une prochaine conquête de la part d'autres populations steppiques. Conquête, colonisation, massacre, réduction en esclavage sont récurrents, des origines à l'époque des Mongols ou de Tamerlan, par exemple. Mais ce n'est qu'un des aspects de la question. Il faut encore préciser que les « empires », entre guillemets, apparaissent dans notre domaine au prix d'une extension du concept d'empire, tant chez les sédentaires que chez les populations des steppes, car nous ne disposons que de très rares textes, et ces textes émanent toujours des empires, c'est-à-dire de là où l'écriture s'est mise en place, dans le monde des oasis, et là où elle s'est développée, de la Mésopotamie, de l'Iran ou de la Chine. Ce point de vue négatif sur, entre guillemets, les barbares des steppes est donc très partial, univoque, car chez eux,
Dans les steppes, on n'écrivait pas. Pour terminer ce bref panorama introductif, j'ajoute parmi les constantes positives de l'Asie centrale, steppes et oasis confondues, la disponibilité des deux plus rapides et puissants animaux de monte et de trait domesticables au monde, le bœuf et l'éléphant mis à part, le cheval déjà évoqué, et le chameau, Camelus bactrianus, le chameau à deux bosses. L'on peut encore compléter ce survol avec la présence très tôt détectée de ressources minérales considérables, dont deux ou trois apparaissent comme exceptionnellement attractives dans toute la protohistoire, dans toute l'Eurasie. L'étain, qui était devenu nécessaire pour fondre le bronze, et l'or, le très précieux métal solaire. Et surtout le lapis lazuli, la pierre d'azur, pierre céleste, dont la source est unique, localisée dans le nord-est de l'Afghanistan au Badakhshan, et qui était transportée jusque vers la Mésopotamie et le Levant, là où les élites en étaient friands, étaient friandes pour leurs bijoux et leurs objets d'art précieux. Au terme de cet aperçu succinct, il m'incombe encore de vous dire quelques mots sur la façon dont je propose de présenter ce vaste thème qui pourrait faire l'objet de nombreuses heures. Ce qui importe ici est la manière dont nous pouvons établir que des échanges à très longue distance se sont mis en place depuis le IVe millénaire, avant Jésus-Christ bien sûr, quelles qu'en aient pu être les modalités, suivant des itinéraires curieux, traversant des déserts, des montagnes, des steppes, des fleuves, dans un monde qui peut nous sembler bien lointain, bien excentré, car situé hors des développements des grandes civilisations reconnues de longue date, hors donc du croissant fertile, et totalement à l'écart des chroniqueurs qui relataient les hauts faits de leurs souverains. Pour ce faire, l'archéologie, avec toute la batterie d'analyses de laboratoires qu'elle mobilise, est mise à contribution à très grande échelle, et c'est ainsi qu'il me sera possible de vous montrer des cartes allant de la mer Noire au fleuve jaune, striées de grandes flèches, indiquant des déplacements et des transferts variés, ou encore les mêmes cartes embellies de vastes taches colorées ellipsoïdales, symbolisant les entités mises en cause, qu'il s'agisse de royaumes ou d'empires, ou de zones où apparaît tel ou tel phénomène historique, artistique ou biologique. Mon plan de présentation remonte le temps. Nous commencerons par le monde des oasis dans l'Antiquité, avec les Grecs et les Achéménides. Ensuite, le monde des steppes, dans l'Antiquité, l'âge du fer, avec les Scythes et les Achéménides. Et enfin, le monde des oasis, au chalcolithique et au bronze, donc 4e, 3e millénaire, et ses rapports avec les steppes. Donc, l'intérêt de la science, qu'on peut appeler la science occidentale, pour ce monde, a commencé très très tôt, puisque dès l'Antiquité, nous trouvons des cartes, ici une carte reconstituée des textes de Strabon, où l'on trouve la Bactriane, le monde des Scythes et l'Inde. Ça n'allait guère plus loin dans les précisions, même si les textes de Strabon décrivent des choses beaucoup plus précises. L'approche des scientifiques... Ah bon, je vais parler plus fort, je peux. Hein. Bon. L'approche scientifique, celle des archéologues, s'est mise en place à peu près à l'époque où la science en France, en Europe, considérait un tout petit peu de la même manière un biologiste comme Louis Pasteur, Cuvier ou Émile Guimet, qui chacun contemple l'objet de leur recherche et réfléchissent sur la manière dont ils doivent le considérer. Dans notre domaine, j'illustre ces approches par les portraits qui sont en bas, celui d'Alfred Fouché, pour les rapports qui étaient indianistes, pour les rapports avec l'Inde, celui de Daniel Schlumberger, pour les relations avec l'Orient hellénisé, le portrait de Paul Bernard, notre regretté confrère, pour les rapports avec le monde hellénisé, toujours avec l'Asie centrale, et enfin, notre regretté consoeur, Véronique Schiltz, qui était spécialiste du monde des steppes. Un pas important a été franchi lors de la mise en place de coopération avec ce qui allait devenir l'ex-URSS et qui était donc l'URSS à l'époque. Voici un portrait fait des participants au colloque de Douchanbé de 1982 où l'on peut reconnaître par exemple Jean-François Jarige ici, qui était
membres de notre académie et d'autres personnes. À partir de là, des coopérations ont été mises en place entre nous, Français, et les républiques du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, du Kazakhstan et de la Russie même, la Sibérie. Je passerai rapidement sur cette carte qui montre les endroits que je vous présenterai, les endroits où j'ai travaillé. C'est pour montrer simplement qu'il y a beaucoup de documentation de première main. L'archéologie est toujours un peu, ça on peut le dire, est toujours un peu vue de la même façon, à savoir entre 1974 et 2009, notre équipe s'est trouvée à sortir péniblement dans le premier cas d'un mausolée grec, dans le deuxième cas d'un kourgan, d'un tumulus site, à grand renfort de personnel, des vestiges qu'il était nécessaire d'étudier. Les fouilles sont toujours recommencées. Très brièvement, une illustration du monde des oasis et du monde des steppes. Voici, dans le domaine des oasis, lorsque l'eau manque, lorsque l'eau est absente, ici, il n'y a pas d'eau. Ce village manque totalement d'eau. Il fallait aller chercher très loin. Là, près de Tashkurgan, dans Bakhren, dans le nord de l'Afghanistan, un vieux caravansérail a une citerne d'eau indispensable. Et là, des actions agricultes, de l'agriculture céréalière proche du monde irrigué que l'on reconnaît à la croissance des végétaux. Voici d'autres illustrations de ce monde des oasis. Ici, le site de Sourkotal et les oasis irriguées, celle de Tashkurgan. Je vous le disais, les agriculteurs possèdent également des troupeaux qu'ils élèvent tout autour de leur village et ils conduisent des caravanes un peu partout, dans leurs oasis et bien au-delà. Quant aux nomades, eh bien, ils parcourent ce monde des oasis en permanence, venant quelquefois de très loin. Là, c'est une photographie prise en Bactriane dans le nord de l'Afghanistan, de grands nomades pashtuns qui hivernaient dans le bassin de l'Indus, au Pakistan, et qui montaient pâturer dans le Badakhshan afghan pendant l'été. Ce sont des distances considérables. Donc le monde de l'Asie centrale, et ça va être un de mes points, un de mes thèmes, a été parcouru dans tous les sens, d'est en ouest, comme on nous le dit avec la route de la soie, mais aussi du nord au sud, avec une grande fluidité malgré les obstacles. Quelques cartes d'abord pour vous orienter, une carte un peu traditionnelle des grandes civilisations agraires avec une partie de l'agriculture mise en place. Elle a été élaborée par un géographe. Et dans notre domaine, vous avez la civilisation de l'Indus, mais rien sur l'Asie centrale, comme il est presque normal. D'autres cartes, comme je vous l'annonçais, mettent en place de grands mouvements. Alors nous avons, mais nous en reparlerons ici, l'attractivité du site chalcolithique depuis le 4e millénaire de Sarasme au Tadjikistan. Je le dis et je le redis, Sarasme est actuellement présenté dans une exposition du musée Guimet, une exposition du Tadjikistan que je vous recommande d'aller voir. Visiter. Et au sud, une vision de la civilisation de l'âge du bronze, de l'Asie centrale, civilisation de l'Oxus, son extension et les apports qui l'ont formée. En haut à droite, une vision du monde des steppes et de l'empire achéménide, une grande tâche pour les steppes, une petite pour l'empire achéménide. On pourrait présenter les choses autrement. Il s'agit en permanence d'options diverses. Et en bas, beaucoup plus facile, l'itinéraire d'Alexandre, quoi que l'on discute pour savoir exactement où il a posé les pieds, notamment en Asie centrale. Récemment, d'autres cartes sont apparues émanant de laboratoires ayant pratiqué des analyses biologiques et en particulier de l'ADN ancien. Il s'agit ici de cartes montrant l'expansion de la culture du blé, le blé donc qui vient du Moyen-Orient, jusqu'à la Chine. Elle a été faite par des Australiens. Et en haut, une carte élaborée par des collègues chinois qui montre la culture du millet, à part de deux variétés de millet, à partir de la Chine, qui a traversé toute l'Asie, dont l'Asie centrale, pour s'en aller jusqu'au Caucase et dans l'Europe. Donc une vision croisée de routes, d'itinéraires, mais qui concerne ici des graines. On ne parle guère de culture. Enfin, mais j'y passerai rapidement, les facteurs climatiques que je n'aborderai guère aujourd'hui, les facteurs climatiques qui sont de plus en plus pris en compte. Alors je vous montre des cas d'école. En haut à gauche,
Le problème climatique du 5e siècle, qui est lié, bien sûr, relié à la chute de l'Empire romain, mais on discute des modalités. À droite, la crise, la grande sécheresse de 2000 avant Jésus-Christ, 4000 avant notre ère environ, qui aurait conduit à la chute de l'Empire d'Agadé, en Mésopotamie, et à d'autres modifications, y compris en Asie centrale. Et en bas, ce qui pourrait être la cause de tout cela, les éruptions volcaniques, plus ou moins violentes et qui induisent des changements climatiques. Donc on a par exemple de grandes éruptions climatiques en moins 44. Enfin, tout ça est en train de se mettre en place et tout cela demandera beaucoup, beaucoup d'analyse. J'en reviens maintenant à la route de la soie elle-même, vue par les historiens de manière beaucoup plus traditionnelle. Vous connaissez, je crois, la plupart de ces itinéraires qui conduisent jusqu'au monde méditerranéen, que ce soit dans la mer Noire ou la Syrie, et la façon dont elles traversent venant de Chine, dont elles traversent l'Asie centrale par les montagnes, dont une branche descend vers l'Inde et traverse notre domaine. Tout cela est bien connu et je l'illustre par des statues hellénisées de l'art du Gandhara. Si vous visitez le musée Guimet, vous pourrez voir cela très facilement. Très rapidement, dans les paysages, une belle photo de Roland et Sabrina Michaud représentant une caravane dans les montagnes du Pamir. Vraiment, se sent tout petit dans ces régions-là, et cette photo le rend assez bien, ce qui est difficile à faire, mais on l'a fait depuis de très très hautes époques. Et pour des époques plus récentes, ici dans le Haut Indus, c'est le Hunza, vous voyez les glaciers de Hunza, cette photo est prise depuis le balcon du palais du Mir de Hunza, ainsi qu'à droite, un moine bouddhiste en train de contempler des photographies et des inscriptions dans le Haut Indus. Cela pour vous dire que la route de la soie était bien évidemment aussi importante dans ses trajets nord-sud, sud-nord, que dans ses trajets est-ouest que je vous ai montrés. J'en arrive maintenant aux Grecs, avec le site emblématique d'Aïkhanoum, dans le nord de l'Afghanistan, en Bactriane. Ici, il se trouve là, au confluent de l'Oxus, la Moudaria et de la Kokcha. Une vue de l'équipe, avec Paul Bernard et d'autres personnages, dont Galina Pougatchenkova, notre collègue soviétique. Ici, il s'agit de la vue prise de la citadelle d'Aïkhanoum vers le sud, c'est-à-dire vers l'Hindoukouch, dont les cimes sont couronnées de neige. Et puis le confluent de la Kokcha et de l'Oxus, la Moudaria. Donc la voie de l'Oxus, la Moudaria, est une voie vers l'est, et celle de la Kokcha est une voie vers le sud, très importante, car c'est dans la haute Kokcha que se trouvent les gisements de lapis-lazuli, la pierre d'azur. Aïkhanoum donc a été colonisée, mise en place, fondée par Alexandre ou l'un de ses premiers successeurs, mais au confluent donc, je vous l'ai dit, de ces deux rivières. Mais l'architecture n'est pas entièrement grecque, c'est une architecture orientale, souvent habillée à la grecque. Vous avez ici un temple, un sanctuaire que nous avons fouillé pendant de longues années, dont l'architecture est totalement orientale. Donc premier croisement, si j'ose dire. Cette magnifique plaque, dite plaque de Cybèle, car elle représente la déesse Cybèle, qui s'avance sur son char vers un officiant, monté sur un autel, eh bien, cette plaque représente une déesse grecque, puisqu'il s'agit de Cybèle, mais dans son style, on perçoit des traits, des réminiscences de l'art perse qui avait dominé la Bactriane pendant longtemps. Et je vous en montre d'autres objets trouvés dans les couches hellénistiques, mais qui sont des objets achéménides, comme à gauche des plaques de bronze, qui sont des fleurons caractéristiques de l'art perse achéménide, plus ancien même, qui remonte à l'art assyrien. En haut, un riton de pierre. Au milieu, en bas, une gemme dite gréco-perse représentant un chien. Et en bas à droite, une base de colonne en forme de cloche campaniforme, caractéristique de l'architecture achéménide, tout ça ayant été trouvé à Aïkhanoum. J'insiste un tout petit peu sur les Achéménides, sur les Grecs successeurs des Achéménides, avec cette frise trouvée à Aïkhanoum. Le dessin est ce qu'il est, c'est tout ce qui reste de l'objet. C'était des fragments d'un tableau, tout a été détruit pendant les guerres et les révolutions. Nous l'avions trouvé assez fragmentaire, et les parallèles sont quand même évidents avec une frise sculptée à Persépolis et beaucoup plus loin dans l'Altaï. Le même frise de lion passant au milieu de bandeaux, de triangles, représentés à Pasiric, mais sur des textiles. Toujours en Bactriane et toujours à l'époque hellénistique et achéménide, le trésor de l'Oxus,
qui était trouvé fortuitement et acheté par le musée britannique où il se trouve à l'heure actuelle, le British Museum, avec beaucoup d'art achéménide, mais je ne vais pas m'attarder ni sur le char royal, ni sur l'officiant du culte, ni sur cette divinité taureau-androcéphale qui représente peut-être l'Oxus, pour insister sur ces petits sphinx. Celui de gauche est dans un style achéménide, un peu influencé par la Grèce, bien connu, et à droite, c'est le même, transformé sous l'influence de l'art des steppes, schématisé. La couronne gaufrée est devenue une espèce de ramure et le reste est schématisé. En or, oui, quoi, là? Oui, c'est en or, oui, tout ça est de l'or, bien sûr. Le British Museum, vous savez, n'est pas... Je veux dire qu'à l'époque, les trésors qui étaient achetés faisaient peu de place aux objets plus modestes ou aux vestiges biologiques. Donc presque en face d'Aï Khanoum, sur les territoires du Tadjikistan, et vous verrez tout ce que je vous montre dans l'exposition, si vous y allez, se trouve le sanctuaire et la petite cité de Tartessanguin. Tartessanguin en persan signifie le trône de pierre, ça ne veut rien dire. Vous avez l'Amou Daria, cette fois-ci on regarde vers le sud, ça c'est l'Afghanistan. Le temple est ici, et là vous avez la cité, je n'insiste pas. Les objets, en revanche, là, ont été fouillés de manière beaucoup plus attentive et précise, puisque l'on trouve ce remarquable plaquage de fourreaux, de poignards, qui représente, alors j'attire votre attention, c'est quelque chose qui est achéménide, hein, la scène du lion, attaquant un herbivore, ici un cerf, donc tout ça est tout à fait perse, mais le style est local, agrémenté, d'une frise d'ove que les achévénides avaient repris aux Grecs. Donc nous sommes toujours dans un art mélangé, je dirais que celui-ci serait perso-bactrien. Et à droite, ceux d'entre vous qui se rappellent les reliefs, les bas-reliefs de Persépolis, se rappelleront ces chameliers qui s'avancent pour faire des offrandes aux souverains. Et bien là, nous avons sur une petite plaque dorée et qui était émaillée jadis, un chamelier trouvé donc en pleine Asie centrale de l'art achéménide, et dans le bas, quelque chose de beaucoup plus hellénisé. Je termine avec les Grecs sur cette statuette qui mesure 52 cm de haut, qui a été trouvée dans le nord du Xinjiang, en République populaire de Chine. Elle est en bronze. Lorsque l'on a vu de face, on croyait qu'elle représentait un site, un Saka. J'étais intrigué parce que les sites ne se promènent jamais en vêtements courts. Eh bien, en obtenant une photo du dos, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un casque avec son cimier et que c'est un hoplite. Il date du IVe siècle. Comment est-il venu là? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est de l'art grec du IVe siècle qui est arrivé jusque dans le nord de la Chine. Le petit excursus que je vous présente maintenant concerne principalement la manière dont l'art grec de la Bactriane s'est trouvé transformé par les nomades des steppes qui avaient pénétré dans les oasis vers la fin du IIe siècle. À gauche, une pièce, qui est aussi à Paris en ce moment, représente un chasseur en costume steppique, c'est-à-dire un chasseur, je ne vais pas entrer dans des noms d'ethnonymes trop compliqués, Siungnu, Yuetche, si vous voulez, apparenté au site, mais plus orienté, mais d'un style qui est tout à fait hellénisé, avec une frise d'ove sur le côté, une souplesse dans le cheval qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ici, nous voyons une déesse dont le style est tout à fait grec, mais qui est encadrée dans une sorte de ce qu'on appelle un petit naïskos. Elle tient donc des monstres, et le naïskos est de forme d'origine hellénistique, mais transformée. À droite, une petite divinité qui a gardé encore, là nous sommes à Tilia Tepe, au 1er siècle de notre ère, qui a gardé bien des traits grecs. Toujours du même site, à gauche, le même genre de divinité qui est presque accoudée à une colonne sur laquelle se trouve un petit air rose. Ce sont des représentations d'Aphrodite. Mais ici, les ailes sont un peu différentes. Ce serait peut-être une Psyché. En tout cas, vous voyez que le style est très orientalisé. De même, nous pouvons, toujours du même site, ATP, contraster ces deux représentations d'Athéna. La première à gauche reste encore grecque. Et on lit à l'envers, c'est un cachet évidemment, Athéna, alors que celle-ci est nettement ce qu'on appelait jadis barbarisée. Je mets des guillemets. Quant à droite, là, la transformation est faite vers de l'art des steppes, puisque ce personnage, homme ou femme, on ne sait pas très bien, est en train de dominer de redoutables dragons.
Cette transformation de l'art grec après le départ du pouvoir politique des Grecs s'est poursuivie dans le Gandhara, en partie en Bactriane. Vous avez en haut à gauche Dionysos qui découvre Ariane endormie. Et on retrouve le même Dionysos nu appuyé sur deux ménades, sur un petit disque sculpté du Gandhara, du premier avant, premier après. Au milieu, une belle scène représentant un personnage buvant, assis sur une chaise qui ressemble beaucoup à une chaise curule. Eh bien, ce textile, cette belle broderie, a été manufacturée dans le Gandhara ou en Bactriane, mais elle a été trouvée en Mongolie, dans le nord de la Mongolie, ce qui est tout à fait remarquable. Et ce qui est remarquable également, là je pourrais également en parler assez longtemps, c'est qu'on voit une représentation du filtrage du vin. Voici le filtre, le vin s'écoule dans un vase qui n'est autre qu'un cratère sur pied de type grec hellénistique. Donc tout ça s'est poursuivi assez longtemps. À droite, l'enlèvement d'Europe de Bégram. Pour presque terminer avec cette suite de l'art grec, à droite, deux représentations de l'enlèvement d'Europe, donc trouvées en Asie centrale, et à gauche, quelque chose de tout à fait étonnant, ces petits disques gravés qui montrent des pièces d'une pièce d'Euripide qui est l'Hippolyte, c'est-à-dire qui représente Phèdre. À gauche, vous avez la nourrice qui dit des choses que Hippolyte ne veut pas entendre. Il se sauve, s'enfuit, laissant tomber son arc. Et à droite, nous avons Phèdre, malade d'amour, qui est ici assise, entourée de personnages, parmi lesquels nous reconnaissons Aphrodite, déesse de l'amour, Eros et son petit arc, le dieu de l'amour. Ici, Hippolyte, qui ne comprend pas du tout ce qui se passe. L'aveu de l'amour incestueux n'a pas été fait. Et à droite, la nourrice avec la tabula. Donc, l'hellénisme s'est continué un certain temps, et j'en termine ici avec une possible illustration d'une épigramme de Callimaque trouvée à Tartessanguine, là aussi, au Tadjikistan, et qui est aussi à Paris. Et à droite, un objet remarquable, trouvé de manière fortuite dans le Gandhara, une pièce achéménide rehaussée, complétée par un disque hellénistique, et avec une inscription qui, en grec, et une également en karoshti qui parle du dédicataire. Donc c'est tout à fait étonnant. J'en viens maintenant à l'art des steppes, et aux achéménides. Alors les guerriers et cavaliers des steppes, les scythes, sont caractérisés par leurs armes, dont l'arc redoutable, une maîtrise absolue de l'équitation et un art des steppes que je vous montrerai. Ils ont également été en rapport étroit avec les Perses achéménides, et les Perses achéménides les représentent toujours, soit en tributaire, comme à Persépolis, soit comme sur cet objet en or émaillé qui est au musée Miho du Japon, comme vaincu. Vous voyez le cavalier perse qui met en fuite des scythes, des sakas, un fantassin. Donc c'est une manière totalement déformée de présenter l'histoire. Et nous savons naturellement, grâce aux Grecs, que les Perses ont quelquefois, plus d'une, été battus par les Scythes. Une carte assez ancienne qui montre les grosses masses, ici des Scythes et ici des Achéménides. Puis des cartes très très récentes, puisque celle-ci date de cette année, qui montrent des migrations. Pour la période qui nous intéresse, ce sont celles-ci, mais ces petites flèches ne nous disent pas grand-chose. Et les dénominations... dans cet excellent article. Ici, il parle des sarmates, ici, sargates, à ce moment-là, sont des choses qui sont très, très délicates à assurer et qui dépendent beaucoup de la manière dont les échantillons, qui ne sont jamais très nombreux, ont été prélevés. En ce qui nous concerne, nous allons parler des achéménides et des scythes dans le sud de l'Oural, donc au nord de la Caspienne, et dans l'Altaï de la culture de Pasirite. Rapidement, quelques vues du monde des steppes, du Pamir chinois. Nous avons fait quelques recherches. Ici, nous traversons des rivières. Voici des ruines, des kourganes, la ruine de Tashkourgan, qui est peut-être la tour de pierre de la route de la soie, et la façon dont l'agriculture est très, très mesurée dans ce domaine. Ici encore, vous voyez le peu d'agriculture qui peut être pratiquée. Et encore un kourgan, il y en a beaucoup. Et beaucoup n'ont jamais été fouillés. Une petite chronologie pour mieux mettre en place les idées.
dans la partie du haut de cette chronologie, c'est-à-dire au 6e, 7e siècle, 800 et 700, là, une erreur, une faute de frappe, eh bien, aucune influence de l'art achéménide dans les steppes. L'art des steppes est né dans les steppes. Ensuite, une partie dans laquelle l'art achéménide est présent, jusqu'au 3e siècle, et ensuite, curieusement, après la chute de l'Empire achéménide, des kourganes dans lesquels l'art perse est très très présent, mais d'une manière très particulière que je vous expliquerai. Donc là, nous sommes au 3e siècle, 50 ans, 80 ans après la chute de l'Empire, d'Empire perse, sous les coups d'Alexandre. Voici le kourgan le plus ancien, vers 700, et non 800, la date est correcte, hein, avec un art des steppes parfaitement constitué, d'éléments sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui sont très caractéristiques, la panthère enroulée, le sanglier. Ici, vers 600, un kourgan remarquable, fouillé par une équipe germano-russe à Arjan, Arjan II, dans lequel une quarantaine de kilos d'or ont été mis au jour. Et là encore, l'art des steppes est bien constitué, sans aucun apport du monde du Moyen-Orient. En revanche, dans le au 4e siècle, cette fois-ci, dans le sud de l'Oural, je vous ai montré Filipovka tout à l'heure, là nous trouvons des objets typiquement achéménides, importés dans ces grands kourganes prestigieux, comme un revêtement en argent de pied de trône, une amphore avec verseur bien achéménide, et d'autres qui sont imités de l'art achéménide, comme cette amphore en or, dont les anses sont faites d'animaux, dont la tête est tournée vers l'arrière, donc dans le sud de l'Oural. Dans l'Altaï, là où je vous ai montré Pasirik, près de Pasirik, nous avons fouillé un kourgan daté des environs de 280 avant notre ère sur le site de Berel dans une coopération franco-kazakhstanaise. Voici la fouille qui s'est déroulée dans des conditions particulières. Il ne fallait pas que quoi que ce fût ne se dégelasse, si bien que nous avons utilisé des couvertures de survie et fouillé assez rapidement. Le kourgan se présentait ainsi. Vous avez à droite la reconstitution. La chambre funéraire avec le cercueil et les défunts, et les 13 chevaux immolés, harnachés, que nous avons retrouvés, en partie bouleversés par un pillage, et ici des plans et des coupes du dit kourgan. Aussi des vues de la fouille sur lesquelles je ne m'étends pas, avec la chambre funéraire, le cercueil, ici avant ouverture, là après ouverture, la partie où se trouvaient les chevaux, qu'on ne voit pas parce qu'ils sont protégés par des écorces. Et puis le découpage en blocs gelés, transporté à Almaty, où tous ces blocs ont été fouillés en laboratoire. Vous voyez ici l'équipe. Il n'y avait pas de climatisation, c'était l'hiver, nous ouvrions les fenêtres, et ça suffisait pour maintenir le gel. Voici ce que nous avons trouvé dans ces blocs, qui après ont tous été reconstitués. Alors, un bloc avant des gels, ici un bouclier, des éléments de vêtements, de selle de cheval, des ornements de harnachement, enfin, énormément de choses. Le tout, ensuite, a été remis en place sur des plans, ce qui fait que nous savons exactement, comme si nous avions fouillé sur place, comment tout cela se présentait. Une remarque importante est que tous ces objets d'art, que ce soit les ornements corporels des hommes ou les harnachements, les brides des chevaux, tout constitue des ensembles cohérents. L'œuvre d'art n'est pas le petit objet, la petite pendeloque, c'est un élément d'une composition plus vaste. À droite, quelque chose d'équivalent, fouillé par nos collègues russes de Novosibirsk sur le plateau de Oukhok. Il s'agissait d'une jeune femme qui portait des tatouages qui étaient exactement l'équivalent de ceux qu'on croyait attribués uniquement à l'homme dominant jusqu'à ce qu'il soit découvert. Elle n'avait que 20 ans. Voici à quoi pouvaient représenter ses chevaux, telle une vue d'artiste, si l'on peut dire. Et à gauche, un cheval sur le site de Persépolis. Maintenant, comment l'art perse a-t-il pénétré et sous quelle forme en Asie centrale? À gauche, un élément de chapitre en pierre de Persépolis représente le griffon persépolitain. Et à droite, dans ce kourgan de Berel, un griffon de type persépolitain, le bec entrouvert, possédant une collerette, des yeux globuleux, une crinière. Il avait également des oreilles qui étaient fichées là-dedans et des cornes. Bref, mais c'était l'ornement de la tête d'un cheval. Donc une transposition dans l'art mobilier. Autre type de transposition, les scènes dites scènes d'audience. Vous avez en bas et en haut à gauche la scène d'audience achéménide, de Persépolis notamment,
où le roi trône et il est représenté plus haut que l'implorant, le visiteur qui vient lui rendre hommage et à qui il accorde audience. Une scène semblable a été trouvée sur une tenture chez les Scythes de Pasiric, où là c'est une divinité, encore mieux que le roi des rois, si je puis me permettre, eh bien cette divinité est en train de recevoir, d'accorder audience à un Scythe qui est un cavalier, mais d'abord il n'est pas démonté, il arrive à cheval, et deuxièmement, ses yeux sont exactement à la même hauteur que les yeux de la divinité. Le point de vue, le rapport avec le monde divin est totalement différent. Les hiérarchies divines et les hiérarchies humaines sont bien différentes chez les uns et chez les autres. Donc des représentations de transposition de tête de lion du monde achéménide, du monde des steppes sur lesquelles je ne m'attarde pas. Et maintenant, un tout petit peu plus de détails, car la question est intéressante. Vous avez ici des palmettes à Ihranoum, qui sont des palmettes grecques hellénistiques, dont on pourrait s'attendre que ce soit les palmettes adoptées par les Scythes, notamment les Scythes de l'Altaï, les Domades, les Grecs étaient en rapport. Eh bien, pas du tout. Dans le domaine des Scythes, nous le voyons ici, je vous le remontrerai, c'est la palmette achéménide qui a été prise. Donc, bien après la chute de l'Empire, les Scythes restaient fidèles à la palmette achéménide et les Grecs n'ont jamais réussi à imposer, si tant est qu'ils en eussent eu envie, leur mode de représenter les palmettes. Nos collègues de Novosibirsk, dont je vous parlais, ont fouillé donc ce remarquable kourgan. Ici, il s'agit de la jeune femme que l'on a voulu représenter. Et chaque cheval était orné d'une thématique différente. À Bérel, nous avons la même chose aussi. Et là, nous retrouvons ces palmettes d'origine achéménide, ainsi que des griffons, je n'insiste pas, mais qui sont également de type achéménide. Et là, nous sommes vers 270-280 avant Jésus-Christ. Les achéménides ont disparu depuis longtemps. Mieux encore, un thème très particulier, qui est celui de la palmette flanquée de deux têtes de rapaces, ce thème s'est propagé jusqu'au monde chinois, au Ningxia notamment et ailleurs, et dans l'Empire perse, il revêt une forme différente, avec des têtes de cygne ou de canard flanquant les palmettes. Donc ce sont toujours des transformations. Et ces transformations se font suite à des choix. Ici, quelque chose également qui a attiré notre attention, cet objet est une pendeloque à trois dimensions, avec les têtes de rapaces flanquant la palmette et dessus un lion cornu. Alors, le lion cornu est un monstre très particulier, ses cornes en bois sont représentées ici, il était ailé, ici ça ne se voit pas, mais il possédait une queue de scorpion. Eh bien, l'origine de ces lions cornus se trouve dans l'art achéménide, bien sûr, c'est le Moyen-Orient qui a créé les monstres les plus impressionnants. Vous l'avez ici sur les tombes des rois perses, ici sur un chapiteau, et là, combattu par le héros royal qui lui tient la corne et lui plante son akinaké, son poignard dans le ventre, nous reconnaissons donc la corne et la queue de scorpion. Je ne vous montre que ces éléments caractéristiques. Dans le monde des steppes, jusqu'à l'Altaï, le lion cornu est représenté. Il orne des torques, des colliers. Jusque dans l'Altaï, nous le retrouvons dans diverses stylisations. Ici, une stylisation qui n'est pas particulièrement remarquable sur le plan de l'exécution. On lui reconnaît ses cornes, la queue s'enroule. Il a une autre stylisation qui est tout à fait étonnante, car nous avons deux versions adossées du lion cornu de profil et une de face, que je vous montre ici avec toutes les correspondances. Alors bon, normalement les flèches se mettent en place, mais j'ai tendance à ne pas bien faire cet exercice, si bien que je vais vous montrer les éléments caractéristiques. Voici donc la vue de face et les vues de profil, mais on retrouve absolument tous les éléments, les yeux, les naseaux, les cornes, et de la même manière, à Pasiric également, il s'agit d'un élément de croupière de cheval, la tête de lion cornu, voici une à l'endroit, celle-ci est à l'envers, donc elle est vue d'en haut. Le corps du lion est de profil et la queue de scorpion se voit ici. La queue de scorpion. Donc c'était une vision à la fois de la face et du profil en même temps, simultanée, qui est absolument unique. Ah ben voilà mes flèches. Bon, je laisse. Et la face et le profil représentés simultanément se trouvent bien sûr chez un artiste que nous connaissons tous, Picasso, qui ne connaissait pas l'artiste et puis il l'a trouvé tout seul. Un peu plus loin, dans le domaine, toujours les domaines des steppes, mais qui ne sont plus des steppes, puisque c'est devenu un désert, l'expédition de notre équipe dans le désert du Taklamakan, sous la direction de Corinne Deben, eh bien,
cette expédition a mis au jour dans une tombe des éléments perses. Voici un jeune homme qui a été inhumé. Il portait un pantalon et le galon de ce pantalon était brodé de figures caractéristiques qui sont celles du fleuron achéménide. Vous voyez jusqu'où ces choses pouvaient aller et les transpositions pouvaient se faire. Je passe maintenant très rapidement, comme pour une transition, à l'art rupestre, c'est-à-dire les pétroglyphes qui se trouvent absolument partout en Asie centrale. Donc ces pétroglyphes ont fait l'objet de plusieurs expéditions depuis les années 90 jusqu'à dans les années 2000 avec nos collègues russes, kazakhs, kirghiz, ouzbeks, etc. Une vue un peu folklorique des conditions parfois étonnantes qui peuvent se trouver dans l'Altaï, la tempête de neige du 18 juin et l'énorme camion Oural qui a fait naufrage dans un torrent. Je n'insiste pas. Voici maintenant nos collaborateurs dans un grand vent qui sont en train de faire des relevés sur un beau polyglaciaire, car dans l'Altaï, en altitude, le polyglaciaire est ce qui permettait d'accomplir des gravures très très belles. Sur les voies nord-sud et sud-nord, c'est toujours en altitude le Ladakh et le Haut-Indus, en Inde et au Pakistan, donc là aussi des coopérations, moi je suis allé en Inde surtout, qui montre bien sûr la montée du bouddhisme, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, vers l'Asie centrale et vers la Chine, mais aussi de l'art scythe, qui est venu des steppes d'Asie centrale et que l'on retrouve dans ces régions du nord de l'Inde. Plus encore, toujours dans le Haut-Indus, sont des représentations, cette fois-ci du 7e ou du 8e siècle, qui nous montrent des scènes qui normalement ne se trouve qu'à l'époque du tout début des Achéménides ou de l'art néo-syrien ou néo-élamite, comme ce sacrificateur ici et là que nous trouvons, dont nous trouvons une représentation analogue sur un cachet. Et là également une représentation caractéristique de ces hautes époques. Ce qui signifie que les Perses, et peut-être même avant, étaient venus jusque dans le Haut-Indus à ces très hautes époques. Une vision du site, toujours en altitude, de Jaltiraktash au Kirghizistan, avec un polyglaciaire allègrement piétiné par les sabots des chevaux, des bergers et des vachers, mais étaient mal ferrés, ça n'était pas très vulnérant pour les pétroglyphes. Et à droite, une petite panthère dont je vous montre aussi une représentation dessinée et une autre photographie. Une caractéristique importante est l'ornement de la queue et les griffes en pinces. Bien, ces choses-là se retrouvent sur une panthère de Kellermès au 7e siècle avant Jésus-Christ, et Kellermès se trouve dans la mer Noire. Comme les pétroglyphes ne voyagent pas, nous voyons qu'au 7e siècle, ce que nous savions brièvement par les textes, les Scythes et les Cimériens avaient voyagé très, très, très loin. Plus avant dans le temps, vers le 3e millénaire, là ce sont des pétroglyphes, toujours au Kirghizistan, à 2600 mètres d'altitude, et des comparaisons stylistiques, du style dit bitriangulaire, avec ce qu'on trouve sur des poteries, notamment iraniennes. J'en arrive maintenant au troisième millénaire, à la civilisation de l'Oxus, que j'ai découvert dans les années 70 sur les trottoirs de Kaboul, au moment où les pillages s'étalaient dans la rue. Beaucoup de choses sont parties à l'étranger et beaucoup de choses n'ont pas de provenance. Voici, toujours tiré du même atlas, le bon atlas de Bertin, les civilisation akkadienne, civilisation de l'Indus, deux cultures des steppes dont je vous parlais brièvement, Afanassievo et Yamnadia, mais il n'y a rien sur l'Asie centrale, civilisation de l'Oxus, elle n'était pas connue encore. Encore une carte qui, pour vous montrer une fois de plus, ce sont des articles très récents, vous voyez 2021, celui-ci est paru cet automne, et 2014, sur la manière toujours dont le blé allait vers l'est, le millet allait vers l'ouest, et la manière dont les sites forment des jalons pour la transmission, le transfert de ces graines. Et puis cette fois-ci avec de l'ADN humain, donc quelque chose qui a été publié, un article remarquable de scientifiques publié en 2018, avec pour l'âge du bronze ces petites flèches qui sont totalement insuffisantes pour exprimer quelque chose d'important, mais nous reviendrons également sur d'autres flèches pour l'âge du bronze. Je commence par le Chalcolithique, le quatrième millénaire, le site de Sarrazm, qui a été le premier site fouillé en collaboration au Tadjikistan par notre équipe. Vous reconnaissez ici notre regretté confrère Jean-François Jarige et d'autres personnes
qui ne sont plus de ce monde, et des comparaisons qui ont été faites avec le matériel trouvé sur le site de Sarrazm avec Mundigak, dans le sud de l'Afghanistan, des milliers de kilomètres. À Sarrazm, site absolument prodigieux qui, à l'heure actuelle, la fouille se continue depuis 1984, sous la direction de Frédéric Brunet, on a trouvé aussi bien des poteries venant de l'Iran, du nord-est, des poteries venant des régions du sud, du Beloutchistan, de l'Afghanistan, des coquillages de l'océan Indien, un cachet proto-ilamite au cylindre provenant de l'Iran et une rosette en or analogue à des rosettes en or du tombeau de la reine Pouabi à Our, qui date des environs de 2400-2500 avant Jésus-Christ. Donc toutes ces relations à longue distance fonctionnaient, comme on peut le voir... normalement, là aussi, il y a des flèches. Voilà, c'est ça. Comme on peut le voir sur ces cartes qui vous indiquent un peu d'où viennent toutes ces choses. Voilà, carte due à Benjamin Zut. Et également, Afanassievo, le monde des steppes, qui se mélangeait à peu près à la même époque avec Sarrazm, comme si attiré par les mêmes ressources, en l'occurrence l'or ou l'étain, on venait de très très loin et on arrivait à cohabiter pour les exploiter sans qu'il y ait eu de frontières fixes ou sans qu'il y ait eu d'empires se faisant face. Dans le nord de l'Afghanistan, les sites fouillés par Victor, lui aussi décédé, Saryanidi, de Dashli, montrent une architecture en terre, mais je vais vous montrer quelques objets présentant des rapports très très nets avec le monde du Moyen-Orient. Sur un vase orné ou repoussé, nous avons des rendus montagneux comme ceci ou comme cela. Là, vous voyez les photographies que j'ai pu me procurer. Il est en argent, des rendus de montagne. Et également ici, alors que je le retrouve, une forme un peu avec deux feuilles et des tiges verticales, je crois qu'elle est ici, qui est exactement la même que celle que l'on trouve sur un cylindre acadien du musée au Museum of Fine Arts de Boston. Autre élément qui montre des rapports étroits et intéressants, les chasses. Alors, les chasses sont toujours faites à pied avec des chiens. La chasse à cour demandait la monte du cheval, ça n'existait pas. Et je vais commenter un tout petit peu plus cet objet qui est un cachet très curieux, dont l'extérieur est orné de chameaux de Bactriane, donc c'est bien un cachet centra-asiatique, il a été trouvé sur un site centra-asiatique. Voici l'intérieur creusé, montrant les scènes comme ici une tauromachie, avec des personnages culbutés par un énorme roc. Donc les tauromachies nous rappellent le monde de l'Indus, le monde de la mer Égée, le monde de l'Égypte, etc. Et à droite, une scène de chasse que je me permets de vous détailler un tout petit peu, puisque nous y voyons une montagne vers laquelle se précipite un bouquetin poursuivi par un chien et fléché par un archer dont on ne voit que l'arc. Donc le rendu de la montagne est mésopotamien. Et là, nous retrouvons exactement la même scène sur le même cylindre du musée de Boston. Donc des compositions viennent absolument nettement du monde de la Mésopotamie. La même chose peut être dite de ces armes en bas à gauche, des harpés, des perles en nacelles au milieu ou des perles à capsule à droite. Quant au transport, eh bien, nous avons le char à bœuf à roues pleines, bien sûr, qui était connu dans toute l'Eurasie depuis au moins le 5e millénaire. Mais nous avons aussi en Asie centrale le char à roues à bandage métallique tiré par un chameau, seul véhicule capable de s'aventurer dans des dunes. Et des bandages de roues de ce type se trouvent en Iran. Il en existe au Louvre venant du site de Suse. Toujours dans cette civilisation de l'âge du bronze, les insignes de pouvoir sont des haches ou des haches-marteaux, où la lame de la hache sort, jaillit de la gueule d'un dragon et nous avons un aileron au dos. Eh bien, le sceau de Kuksimut, chancelier d'Idadou II, dont nous possédons un moulage au musée du Louvre et qui est bien daté des environs des alentours de 2000 ou 1900, présente ces insignes de pouvoir, donc des rapports de l'Asie centrale avec l'Iran. Et l'Asie centrale, proche du monde des steppes, bien sûr, là nous sommes dans des objets de la civilisation de l'Oxus, a connu, pratiqué probablement, le cheval monté, rien pour le moment indiquant quelque chose avec le cheval attelé, alors qu'il était connu ailleurs dans les steppes. Ainsi, alors ça c'est un article qui n'a même pas un mois, ainsi nous avons
c'est sur la génétique des chevaux, qui montre que les chevaux les plus anciens ont été domestiqués dans les zones ici de la mer Noire. Et là, nous avons une répartition de ces ailes de mort que l'on trouve à Mycène, mais que l'on trouve ici, sur des sites bien connus de l'Asie centrale. Et là, nous avons vraisemblablement, vers 1800, ça c'est bien connu, le cheval attelé qui est allé jusque dans l'Asie centrale. La vie des élites, outre la chasse que je vous ai montrée, comportait des banquets, mais cet art de l'Asie centrale, la civilisation de l'Oxus, montre également des satyres de banquets, comme ici, où l'on voit en haut à droite des animaux en train de rendre hommage et de banqueter. Ça remonte à l'époque proto-élamite. Les scènes divines alors sont intéressantes parce que certaines sur les cylindres sont influencées par le monde de l'Iran voisin, monde élamite, proto-élamite. D'autres sont des cachets importés de la Mésopotamie et d'autres sont purement locaux et représentent des scènes très très curieuses, une sorte de fête de monstres ou d'animaux qui fait penser à des cérémonies chamaniques où des personnages se trouvent au-dessus d'une perche, mais je mets des guillemets à chamanique. Parmi les divinités, je passe assez vite, nous avons un dragon sous diverses formes, dragon parfois combattu sur cette remarquable hache du Metropolitan Museum par un rapace à tête d'aigle. Et nous avons aussi une divinité féminine qui domine tout le panthéon, y compris les monstres et les dragons. Elle est ici assise, se cachait au Louvre sur un dragon, là aussi, là elle domine des lions. Et nous la trouvons également sous forme de statuettes composites. Ces statuettes composites se trouvent très très loin à la même époque, jusqu'au Levant, à Mari et à Ebla, c'est-à-dire en Syrie. Et là nous retrouvons ce que certains ont pu appeler la route du lapis lazuli. Donc toutes ces formes artistiques qui se transmettent, les statues composites et le lapis lazuli, ont jalonné des itinéraires très anciens qui vont jusqu'à l'Asie centrale. Dans le domaine du sud et du sud-est, il s'agit des rapports de la civilisation de l'Oxus avec celle de l'Indus. Des objets de la civilisation de l'Indus, comme des cachets, ont été trouvés en Bactriane, ici sur Shortugai, un site que nous avons fouillé, et là en Margiane, les statues également. Voici Shortugai, face aux collines du Tadjikistan, donc vraiment sur la frontière, et les sites que je vous resitue avec Ayranoum. Là, on est dans un rayon d'à peu près 40 km. Vous avez Ayranoum, la ville hellénistique dont j'ai parlé, Shortugai, un site de la civilisation de l'Indus, Farhor, un site de la civilisation de l'Oxus et des hautes époques, et ici, Samti, et toutes ces régions du fleuve Oxus, des gisements d'or très très importants. Donc voici Shortugai avec son matériel, son architecture, sa poterie, ses perles, son cachet de l'Indus, donc importés comme dans une colonie. Une agriculture, ils étaient installés sur place et cultivés, on a même fouillé des labours. Les poteries peintes de la civilisation de l'Indus, qui étaient fabriquées sur place, et un artisanat de taille du lapis lazuli, qui partait plutôt vers l'ouest que vers l'Indus, qui en était peu consommatrice, et à droite des creusets dans lesquels nous avons trouvé du cuivre et de l'or. Je saute 20 km au nord, sur le site de Farhar, donc au Tadjikistan. Vous avez ici une vue des collines, et on aperçoit l'Afghanistan, malheureusement, c'est brumeux. Et dans ce site, des caractéristiques de l'âge du bronze d'Asie centrale, civilisation de l'Oxus ancienne, ont été découverts, et parmi lesquels un cas de quelques poteries qui montrent des rapports exacts avec Shortugai seul vers 2000 avant. Donc un face-à-face entre la civilisation de l'Indus et la civilisation de l'Oxus près des gisements d'or. Je termine avec quelques cartes et un commentaire que je lirai. Voici une reconstitution par des collègues de ces routes anciennes du troisième millénaire qui ressemblent comme deux gouttes d'eau, je devrais dire comme deux éclats de pierre ou de lapis lazuli, ou d'étain ou d'or, à la route de la soie que je vous ai déjà montrée. Pour ce qui est de l'or, voici les résultats d'une étude où l'or d'Our a été analysé, en particulier les inclusions de platinoïdes, pour montrer que c'était justement de la région de Samti, c'est-à-dire de la région de Shortugai et Farhar, que l'or d'Our, ou une partie de l'or d'Our, pouvait venir, ce qui est tout à fait passionnant et inattendu, et c'est récent. D'autres cartes montrent cette fois-ci des rapports et des migrations entre des types anthropologiques et des types génétiques. Alors ces types génétiques méritent d'être discutés à la lumière de l'archéologie.
car l'archéologie a des choses à dire sur les contextes et sur la manière de les interpréter. De même, un élément très très important est la découverte également des voyages de Yersinia pestis, donc le pathogène, le bacille de la peste, entre l'Europe et l'Asie centrale. Donc, comme vous voyez, on ne sait pas très bien, à l'heure actuelle, des différents variants, dans quel sens ils ont voyagé. Il est possible qu'il ait voyagé de l'Asie vers l'Europe plutôt que l'inverse, mais ce n'est pas sûr, car ce bacille a beaucoup muté, il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Enfin, toujours ces migrations, je vous ai parlé des cultures de Yamnada et d'Afanasievo, aussi une autre vision, très simplifiée, car elle montre ici Yamnaya ou Afanasievo, et les suivent. Les échantillons sur lesquels repose cette étude sont très très peu abondants, donc tout ça mérite aussi d'être examiné de très très près à la lumière des vestiges archéologiques. Et enfin, une étude qui est sortie il y a quelques jours seulement, le 21 octobre dernier, vous voyez que nous essayons d'être à jour, où des collègues chinois ont montré que des momies des environs de 1800 du bassin du Tarim, trouvées à Xiaohe dans le cimetière nord, où a fouillé notre équipe également, en collaboration avec la chercheur de la République populaire de Chine, eh bien, présentaient une sorte d'isolat génétique, alors que culturellement, il ne s'agissait pas d'un isolat. Là encore, les résultats sont interprétés à la lumière de publications archéologiques qui sont parfois un tout petit peu anciennes et peuvent être un peu mises à jour. Donc, je termine par une petite lecture de moralité, puisque c'est l'année La Fontaine, si vous me passez l'expression. Donc, Descartes montre quelque chose qui ressemble à la route de la soie depuis l'âge du bronze, à savoir des routes, des flèches, des distributions de points qui illustrent des transferts continentaux en Eurasie de matières d'hommes, d'animaux, comme le cheval de Gênes, humains, équins, céréaliers ou de la peste. De cultivars, de techniques, d'idées, de langues, je n'ai pas parlé des Indo-Européens et des Indo-Iraniens, dont la recherche est récurrente dans certains de ces articles. Et là, quelques remarques, 5 ou 6 remarques. Un problème sérieux se pose sur la définition culturelle et archéologique des qualificatifs donnés à des ensembles qui sont caractérisés de manière biologique par rapport à un échantillonnage qui est forcément incomplet, il n'y a pas de mal à ça, et qui est prélevé sur des populations de squelettes et de momies qui sont la plupart du temps hétérogènes. Donc, problème d'individus et de groupes. Deuxièmement, les sociétés de ces hautes époques sont des sociétés hiérarchisées, complexes, dans les états des oasis, mais sont des tribus très organisées dans le monde des steppes et qui savent se grouper à grande échelle, pouvant se montrer très puissantes dans les steppes et faire pièce aux états, ce que nous voyons aussi à l'heure actuelle. Troisièmement, des cohabitations et des voisinages apparemment pacifiques de cultures différentes venues parfois de très loin. Je vous ai parlé de Sarasme Joukov, de Sarasme et au Chalcolithique, l'Iran, etc., et les steppes, puis de Chortougaï et de Farhar, l'Indus et l'Oxus, et nous avons ici au Pakistan, avec nos chéros et Sibri, sur le site fouillé par Jean-François Jarige, des cohabitations, des contemporanéités très très étonnantes. Donc était-il possible que ces cultures, au lieu de se faire la guerre, soient venues exploiter des ressources très désirables, comme l'or, le lapis et l'étain. Ensuite, l'art des oasis, depuis le bronze, montre, dans son art monumental et mobilier, des hiérarchies humaines et divines, sur lesquelles je n'ai pas trop insisté, et on peut déterminer une sorte d'esthétique, d'importance plus ou moins grande de ces hiérarchies d'êtres et de matières, avec l'or et le lapis en haut de la hiérarchie. Et des scènes narratives apparaissent. Nous sommes dans les empires et dans les sociétés hiérarchisées. Cinquièmement, l'art de la steppe, depuis l'âge du fer, montre une esthétique steppique très particulière. Un art mobilier, d'ornement corporel ou de harnachement, de schématisation et d'abstraction. Souvent, on parle de synecdoque, de pars pro toto. Bref, depuis très tôt, peu de narration, pas d'hiérarchie. Rappelez-vous le cavalier scythe face à la divinité. Il est pratiquement de niveau divin. Enfin, la relation avec le monde surnaturel semble très différente dans les steppes et les oasis. On a pu parler, à propos de la relation avec le monde surnaturel, d'une transcendance apparaissant dans les oasis, avec des lieux éloignés, inaccessibles, quand une immanence, on l'a écrit, règne dans les steppes,
dans une sorte d'animisme dans la nature. Mais il s'agit d'une très vaste question. On constate également comment les points de vue des Perses, des Grecs et des Chinois se répètent dans le cliché du nomade, qui sont des gens à vaincre, on l'a vu, à soumettre. Ils sont sans feu ni lieu, sans art, y compris au début des études chez les Occidentaux. Ils sont barbares et cruels. Ils s'abreuvent dans le crâne de leurs ennemis vaincus, Berck. Les cartes et les graphiques, très récents, très utiles, sont issus de calculs sophistiqués, parfois, ou intuitifs. Ils reportent des niveaux différents de synthèse, de concepts synthétiques. Deux remarques rapides là-dessus. Donc, on ne peut pas traiter la gigantesque quantité de données disponibles. L'analyse individuelle, la donnée individuelle, disparaît dans des groupements qui doivent être constitués le plus rigoureusement possible. Par conséquent, des niveaux intermédiaires entre des sortes d'universaux, comme l'urbanisation que l'on aurait partout ou autre, des moyens, des niveaux intermédiaires, régionaux, micro-régionaux, de période, sont absolument indispensables, malgré le caractère partiel et mutilé des données. Sont également indispensables des concepts de niveaux moyens, intermédiaires, selon leur efficacité, comme celui de la culture, au sens archéologique, un groupement défini de manière la plus précise possible, ou celui de la civilisation, dans un sens archéologique ou un peu plus historique. Mais ils sont sans cesse à redéfinir, à subdiviser, à étendre, à nuancer. Très utile, car ils portent non seulement une tranche chronologique et un espace donné, mais également, et peut-être surtout, de multiples informations et des réflexions historiques ou méthodologiques, comme le chalcolithique, la civilisation de l'Oxus, les Achéménides, les Scythes, la période hellénistique. Dans notre domaine, eh bien, les discussions se poursuivent de manière animée, je l'illustre par une photo de Bouskashi, animée mais courtoise et paisible, à propos du monde des steppes et des oasis, c'est ma dernière diapositive. La communication et la fluidité paraissent avoir prévalu entre des civilisations très différentes, mais parfaitement reconnaissables, identifiables et possédant des capacités de choix, une autonomie, nous l'avons vu. Dès lors, pouvons-nous ou devons-nous retourner ou non à des concepts comme ceux d'une sorte de mondialisation, d'échange très très fluide, ou à l'inverse, envisager un choc de civilisation, pour reprendre le titre d'un livre un peu polémique de Huntington, pour comprendre la large part de l'histoire de l'Eurasie centrale que nous venons de survoler. Je laisse la réponse à votre jugement. Je marque. Merci. S'il y a quelques personnes qui souhaitent poser des questions, elles sont invitées à le faire. Oui ? J'ai une question. Mais en réalité, qui ne correspond pas vraiment à votre conférence qui était passionnante. Mais c'est une question sur la route de la soie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois veulent refaire la route de la soie. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Chinois refaire la route de la soie, monsieur, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, alors écoutez, en anglais, la traduction est « one road, one belt ». C'est-à-dire une ceinture et une route. Donc il s'agit d'une entreprise d'échanges commerciaux et culturels à travers l'Eurasie, je crois. Je ne suis pas le meilleur expert. Oui, mais est-ce que ça veut dire que la Chine sera propriétaire de l'ensemble? Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est-à-dire qu'ici... Attention! C'est peut-être le problème, vous voyez ce que je veux dire, parce que, alors là, ça ne correspond pas à la conférence, mais vous avez quand même beaucoup parlé de la route de la soie. Ben, j'ai parlé de la route de la soie comme une métaphore, disant que c'est la chose la plus connue, et par conséquent, j'ai insisté dès le début
en disant qu'il s'agissait d'échanges à très longue distance qui ont commencé très très tôt, qui étaient est-ouest, mais aussi nord-sud. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Bon, mais vous ne pouvez rien me dire de plus, quoi, savoir si les Chinois vont envahir carrément. Oh, il faudrait interroger des politistes ou des économistes qui sont certainement beaucoup plus versés dans ces matières que je ne peux l'être. C'est que les Chinois vont envahir toute cette partie. Et oui, toute cette culture envahie par les Chinois. Vous avez mis en évidence une femme, justement, qui était dans... Est-ce que c'est la seule femme qui était chef, si je puis me permettre ? Pardon ? Vous avez mis en évidence une femme. Oui, il y en avait plusieurs, hein, au bronze et au fer. Dites-moi laquelle. Alors, je suis incapable de vous dire laquelle. Non, mais je voulais savoir si vous en aviez trouvé beaucoup. Alors, vous parlez de celle qui se trouvait dans l'Altaï, dans les Kourganes ? Qui était tatouée. Oui, la jeune femme sur le cheval. Alors, non, il y en a beaucoup. Il y a des sépultures qui sont des sépultures mixtes. Et on pensait généralement que les femmes étaient immolées pour accompagner leurs époux dans l'au-delà. Or, là, il ne s'agit pas de ça. Cette jeune femme tatouée est morte d'une pathologie médicale que j'ai oubliée, là, qui ne me revient pas pour le moment, mais elle a été inhumée elle-même, étant tatouée, avec 9 chevaux. Or, on sait que le nombre de chevaux abattus dans une sépulture montre la place de la personne dans la hiérarchie. Le plus grand nombre de chevaux dans un kourgan est une 15. À Bérel, nous en avons 9, nous en avons 13, elle en avait 9, immolée à côté d'elle, entièrement harnachée. Donc c'est quelque chose d'absolument formidable. Elle possédait un rang très très élevé dans la hiérarchie de ses tribus. Et ça, naturellement, bon, quelqu'un le dira ou ne le dira pas, mais ça fait penser à l'importance des femmes dans le monde des nomades scythes, et notamment à ce qui est parvenu chez les Grecs sous le nom des Amazones. Car on sait, et maintenant nous avons des découvertes de tombes. Celle-ci possédait des armes, et toutes les jeunes femmes dans le monde des scythes, dans le monde des steppes, possédaient des armes. Elles savaient tirer à l'arc, elles savaient se battre, au poignard ou au pic. Donc, y a-t-il... Oui. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour madame, mademoiselle, bonjour monsieur, merci pour votre excellente conférence. Je voulais vous poser deux questions. La première... Quelles sont les méthodes scientifiques que vous utilisez pour déterminer toutes ces œuvres d'art, comment elles sont situées dans le temps? Ensuite, vous nous avez montré tout au long de cette histoire de civilisation, différentes civilisations, on a retrouvé à différents endroits les mêmes sépultures, des mêmes sculptures ou des mêmes figures artistiques. Je voulais savoir quelles sont les méthodes que vous utilisez pour déterminer les dates et puis les... Oui, alors les dates sont quelquefois déterminées directement sur les objets, lorsque c'est possible, comme dans les laboratoires, le laboratoire du Louvre, par exemple, le laboratoire des musées de France, mais ça n'est pas toujours possible. Sinon, il s'agit simplement d'établir des comparaisons plus ou moins précises entre les différents objets. Donc c'est la vieille méthode, je dirais que c'est l'œil des spécialistes qui permet de rassembler des groupements qui peuvent être ensuite éventuellement validés ou non. Bon, là, je ne vous ai montré que des choses quasi certaines ou complètement certaines. Ensuite, il y a le contexte des trouvailles, parce que même si les œuvres ne sont pas datées immédiatement elles-mêmes, vous pouvez avoir une couche archéologique dans laquelle elle est découverte, l'œuvre en question est découverte, qui, elle, est bien datée. Après, se pose la question de savoir si l'œuvre est parvenue dans cette couche ou s'il a utilisé ou réutilisé. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions à résoudre. Hein. Le contexte d'une couche archéologique ne note pas nécessairement la date d'une œuvre. Elle a pu y parvenir assez tard, sinon plus tard, tomber, je ne sais pas, dans de la boue, par exemple, ou ça peut être une œuvre remployée, transmise de génération en génération. Mais les méthodes directes existent également. Autrement, alors pour ce qui est... C'est une sélection que je vous ai montrée, évidemment. Toutes les œuvres ne sont pas comme cela, mais c'est une sélection qui se tient et qui possède également des fondements historiques. Les rapports entre les sites, en général, hein, l'Empire achéménide, sont bien bien connus, puisqu'il y avait des sites que je appellerais d'empire, qui étaient tributaires, et d'autres qui étaient à l'extérieur de l'empire, qui
parfois combattaient les Achéménides. Et d'autre part, les Achéménides, à l'origine, étaient eux-mêmes venus des steppes. C'était des cavaliers des steppes. Donc les choses sont très, très compliquées, mais sont parfaitement cohérentes. Et les caractéristiques de l'art des steppes, pour prendre cet exemple-là, ne sont pas celles de l'art achéménide. Donc on arrive assez bien, et les incertitudes de datation sont, dans la plupart des cas, évaluables. On dit on a, là, c'est certain, ou là, on est à 50 ans près, ou, etc. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que je peux poser une autre question, s'il vous plaît ? Oui, concernant les civilisations, en fonction de la chronologie, vous nous avez bien montré toutes les périodes, les différentes civilisations, laquelle, d'après vous, est l'une des plus évoluées ? Est-ce qu'elle venait des steppes ou est-ce qu'elle venait des oasis ? Quelles sont celles qui vous ont marqué ? Je pense aux Perses, par exemple, ou à d'autres. D'accord. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Alors, c'est une question intéressante, une question qui pose justement des problèmes très, très contemporains. Si on parle de la plus évoluée, ça veut dire qu'on a un critère universel qui serait la civilisation. Quelle est la plus civilisée des civilisations ? Si je puis transcrire ce que vous avez dit. Et ça, c'est quelque chose que l'on a du mal à concevoir de nos jours. Si l'on compare, par exemple, comme je l'ai fait, la façon dont les œuvres d'art étaient construites, composées, chez les Scythes dans le monde des steppes et chez les Achéménides dans le monde que j'ai appelé des oasis, eh bien, l'art achéménide est constitué de l'art de l'Orient ancien plus de parties venues de l'art grec ou pré-grec. Donc on a une constitution qui est une construction royale. L'art achéménide s'est construit au VIe siècle autour de la construction des capitales, Passargade et surtout Persépolis à l'époque de Darius. Donc c'est quelque chose qui possède une structure totalement différente du monde tribal qui est le monde des steppes. Où là, suite à des choix que je pense délibérés, on a sélectionné certains éléments, des ornements, on a prélevé des morceaux si je puis dire, après un découpage des œuvres monumentales achéménides ou des œuvres mobiles de l'orfèvrerie achéménide pour transcrire tout ça en ornement corporel, en bijoux, en pendeloques de harnachement de chevaux. Et tout ça se faisait dans un monde qui possédait lui-même une structure très élaborée. C'était des gens qui savaient admirablement fondre les métaux, qui savaient tailler la pierre, qui étaient des virtuoses dans la sculpture sur bois, dans les textiles également, tout comme les Perses. Donc ils ne se situent pas exactement dans les mêmes plans et on ne peut pas dire lesquels étaient les plus évalués. Si on reprend les critères qui prévalaient au début du XXe siècle, eh bien, nous classerons toutes les civilisations par rapport à l'écriture, par exemple. Alors, il y a ceux qui écrivaient peu, ceux qui écrivaient mal, ceux qui écrivaient bien, ceux qui balbutiaient et ceux dont les écritures ne sont pas déchiffrées, comme l'Indus, par exemple. Donc c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre selon les critères actuels qui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus complexes que jadis, où l'on voyait alors ce qu'on appelait le développement des grandes civilisations, qui étaient l'Orient, la Grèce et Rome. Maintenant, le panorama s'est considérablement élargi. Allez-y, si vous avez un micro, monsieur. Oui, je suis un peu intrigué par le titre donné à votre conférence. La route de la soie oui. n'est pas concernée. Enfin, vous couvrez une période qui ne concerne pas encore oui, la route de la soie. C'est pour ça que j'ai appelé avant la Et d'ailleurs, route. D'ailleurs, c'est clair dans votre exposé, on parle très peu de l'influence de l'Empire du Milieu. C'est laissé de côté, ça viendra beaucoup plus tard. Pas beaucoup plus tard, au 1er siècle, ça oui, commence ça. Déjà. Oui, j'ai montré autre chose précisément, je l'ai appelé avant la route de la soie, pour que ça évoque quelque chose aux personnes qui seraient intéressées. Parce que si j'avais dit les échanges à longue distance en Eurasie, Asie centrale, du calcolithique à l'âge du fer, c'est moins oui. parlant. Oui. Mais je m'exprime comme ça dans la vie courante. Hein. Oui, mais. C'est un peu regrettable, c'est pas vous Pardon? Qui êtes je dis c'est un peu regrettable, c'est pas vous qui êtes en cause, mais qu'on ne mette pas davantage en valeur, notamment à l'école, la richesse de ces échanges est-ouest, nord-sud, dans la période couverte par votre conférence,
et de l'influence très importante que ces échanges ont pu avoir sur l'Europe occidentale, qui sera très, très frappante avec les invasions. Les Huns, ce sont des populations qui viennent de cette Asie centrale, mais qui n'étaient pas forcément des hordes de sauvages, mais qui avaient été civilisés et qui avaient eu des échanges très riches avec, comme vous l'avez expliqué, les Achéménides, le monde grec, et même des influences du Nord. Bien sûr, mais là, il s'agit d'autres périodes. Hein, et comme je l'ai dit au début, sur la route de la soie elle-même, depuis qu'elle est établie, depuis le 1er et 2e siècle, il y a beaucoup de littérature. Donc je n'allais pas refaire quelque chose là-dessus. En revanche, il est beaucoup plus nouveau de montrer que ces échanges ont commencé à des périodes bien antérieures. C'est ça le point, le cœur de ce que je voulais dire, et qu'ils étaient multiformes. La fixation Richthofen à créer route de la soie, c'est bien, ça indiquait beaucoup de choses. Mais même pour les périodes historiques, beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur des transferts. Il y a la soie, bien sûr, mais il y a le coton, des fruits, des animaux, beaucoup de choses. Et pour ce qui est de routes d'invasion, alors aller jusqu'à l'Europe, c'est quelque chose qui est difficile parce que la plupart des études et des analyses s'arrêtent au mieux à la Méditerranée et à la mer Noire. Après, c'est plus compliqué. Le monde européen, alors vous l'avez peut-être vu, il apparaît avec la peste. Et pour la peste, on manque cruellement d'échantillons. Il nous faut des pestiférés pour pouvoir les analyser et on en trouvera dans les cimetières pour établir des liens à très très longue distance depuis l'Altaï ou au-delà. En revanche, oui, on peut parler des Hongrois, on peut parler des Francs, on peut parler de tout ce que l'on veut, mais tout ça est beaucoup mieux décrit déjà parce que l'on possède non seulement du matériel archéologique, des objets d'art, mais des textes pour ces périodes historiques. C'est ça qui fait la différence principale. Alors que là, nous sommes un peu démunis. Les textes sont très brefs quand ils concernent des échanges. Vous voyez, lorsqu'un texte, par exemple, du 3e millénaire de Mésopotamie parle d'un fauve dont on ne sait pas très bien dire s'il s'agit d'un guépard ou d'autre chose qui viendrait d'un pays qui s'appelle Malrachi, qu'on a un peu de mal à situer entre l'Iran et l'Asie centrale, ça n'est pas facile malgré les efforts et les mérites de tous nos collègues linguistes et assyriologues. Voilà. Je voudrais vous poser, à travers les photos que vous nous montrez sur vos sites, il y a une grande aridité. Est-ce que vous arrivez à déterminer quel était le climat, quel était l'environnement à cette époque-là? Oui. Parce qu'il me semble que vous nous montrez des œuvres très, très riches, très élaborées. Et est-ce qu'on venait, est-ce qu'il y avait des hommes qui s'installaient dans des milieux aussi arides? Oui. Qu'actuellement, quoi. Alors, il y a deux choses. Changements climatiques, ils ont existé. Je vous parlais de la grande aridité de moins 2000 qui a pu provoquer des bouleversements de la Mésopotamie à l'Asie centrale. Mais à part ça, il ne faut pas confondre climat et environnement. Donc l'environnement de certains sites a pu se transformer sans changement climatique. On a pensé par exemple qu'un soulèvement tectonique de certaines montagnes a pu détourner le cours de certains fleuves et que des deltas qui étaient occupés au 3e millénaire se sont trouvés complètement rendus arides par ce basculement parce que le cours du fleuve a changé. Donc pas forcément changement de climat, mais changement d'environnement. Ensuite, pour l'installation des communautés humaines, bien la principale chose, alors si nous remontons au néolithique, ils s'installaient dans des endroits humides, qui sont les plus riches en biodiversité et en biomasse, évidemment, et pouvaient le plus facilement se nourrir, quelle que soit la variabilité, la variation des saisons. Et pour la suite, le grand correctif apporté aux variations du climat est l'irrigation. Donc on a fait des études. Bien sûr, on est allé chercher les sols anciens, les paléosols, voir s'ils étaient irrigués ou non. On a tout regardé. À Shortugal, l'eau arrivait par un canal de 20 km tout de même. Hein. Les,
Là, l'Indus s'était installé en aménageant le territoire. Donc, il prévoyait, et on prévoyait lorsqu'on irriguait, que les mauvaises années pouvaient faire que les cultures non irriguées ne poussaient pas. Et dans ce cas-là, c'était la disette, la famine et la mort, si on n'avait pas une base fixe d'agriculture irriguée. Laquelle agriculture irriguée permet, après les récoltes, de faire pâturer le bétail, etc. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y avait les transhumances saisonnières qui permettaient d'aller faire pâturer dans les montagnes, là où on trouvait plus facilement du bois. Mais dans l'ensemble, ça vous l'avez bien vu, ces régions sont plus arides maintenant qu'elles ne l'étaient au 3e millénaire ou au 4e millénaire. C'est certain. Voilà. J'aurais posé une dernière question. Suite à l'irrigation... Je vous entends à peine. Oui. Allô, vous m'entendez mieux ? Allô, oui. Oui. Tout à l'heure, j'aurais posé une question sur l'irrigation. Vous avez répondu à la question. Mais une deuxième question, c'est pour comparer les civilisations entre elles, notamment en Amérique du Sud, et celles de ces civilisations. Est-ce qu'il y a des comparaisons possibles ou pas ? Et ensuite, est-ce que vous utilisez le carbone 14 pardon, pour le carbone 14, pour évaluer les dates dans le temps de vos découvertes? Ah oui, on utilise le carbone 14 et beaucoup d'autres méthodes, uranium-thorium, beaucoup de la dendrochronologie sur les bois, des constructions de l'altaï, etc. Beaucoup de méthodes physico-chimiques sont utilisées avec un grand succès. Quant aux comparaisons avec... il y a des colloques de temps en temps qui sont organisés où on compare toutes les civilisations, par exemple, dites urbaines entre elles. Alors vous aurez les Mayas, vous aurez les Incas, les Mésopotamiens, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, etc. Alors ces comparaisons ont leur intérêt et leurs limites. C'est-à-dire on ne peut pas comparer tout avec tout. Par exemple, la domestication de ces grands animaux rapides, animaux de trait, du cheval et du chameau, avec des civilisations comme les Incas ou les Mayas qui ne possédaient pas ces animaux-là. La comparaison est possible, mais elle ne porte pas sur tout. Et on ne peut pas les classer, encore une fois. Voilà. Je crois qu'après nous, il y a d'autres personnes. Donc, je vous remercie pour votre attention à toutes ces questions.